بسم الله الرحمن الرحيم. دكتور نظام امين ممبر البيرو دو لاسوسياسيون دي ميديسان دو تيزنيت. Je me permets de présenter le programme scientifique des 16e journées médicales de Tiznit. Donc, le programme de cette année était vraiment très riche par des thèmes d'actualité et des conférenciers de référence à l'échelle nationale et internationale. Donc, on a commencé vendredi 19h par un thème qui intéresse et les médecins et le grand public. C'est le pied diabétique qui est un fléau maintenant. On a discuté le côté prévention et prise en charge. Le samedi, la matinée, c'était prévu pour 3 ateliers. On a commencé par un atelier sur la voie intra-osseuse avec professeur Mouhaoui, qui est le médecin-chef de service des urgences de CHU de Casablanca. Et après, c'était le rôle au docteur Hifti Abdelzak, qui est un traumatologue orthopédiste à Casablanca et qui est le médecin de l'équipe nationale de football. Après, le professeur Mouhaoui a traité encore une fois les urgences hypertensives, qui est un thème vraiment qui intéresse les médecins, toutes spécialités confondues, et les médecins généralistes surtout. Donc l'après-midi, on va reprendre à 14h30 par un thème sur le syndrome de l'intestin irritable, qui sera animé par le professeur Bilbah, service de gastroentérologie de CHU de Casablanca. Et après, c'est le professeur Miku Kaouzi, qui est un gynécologue à Casablanca, qui va traiter les néphoragies chez la femme de l'adolescence à la ménopause. Et on va clôturer pour la première fois à Tiznit par une touche internationale, mais avec des origines marocaines. C'est Dr Sawi Mohamed, qui est un spécialiste en chirurgie anténatale, et qui va nous animer un atelier sur l'échographie obstétricale. Et on va utiliser des simulateurs on va utiliser des simulateurs qui seront là pour la première fois dans la région du Sud. Donc, et qui va être co-animé par Dr Achibet Abdeltif, qui est un ami et un membre d'honneur de l'association et le président de l'association des médecins échographistes à l'échelle nationale. Voilà, j'espère que ces journées auront un impact sur la qualité de la consultation et seront bénéfiques pour les malades de la province. Voilà.